Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Little Nightmare 2. Et il est temps de continuer le niveau de la classroom. Avec l'institutrice femme serpent. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Bon. C'est juste ça. On est derrière le bureau, on l'attend. Mais s'il me semblait. Je vais aller en face. Je devrais tester d'aller en face. Allons, ou alors je me cache derrière les bureaux. L'embêtant, c'est que j'ai pas une bonne vue. C'est très embêtant, ça, ce point de vue-là. Surtout, on espère. Wow, je m'y prends mal, hein, mais... J'ai littéralement besoin que tu sois autre part, Grande. Allez, hop, hop. Bouge, bouge. Oh shit, elle me voit comme ça? Sérieux? Au moins là j'ai une bonne vision, c'est ça qui m'embête. Sniff, je peux pas passer par là. Non, reste là. Tu es un peu trop entreprenant là, grand. Merci. Mais... On va y arriver. Peut-être. Un jour. Attends. Quand tu vas trouver, elle te crame direct. Voilà, je suis derrière, parfait. Ah! J'étais pris le mur, putain! Tu gères pas là! Ah, il me faut une clé en fait. Elle est où la clé? Ok, bon, il me faut une clé, je suis mort.
Ah non, j'ai trouvé la clé qui est con. Je me souviens qu'on avait trouvé une clé dans l'épisode précédent. J'ai tellement failli crever une nouvelle fois. Une fourchette, ok. Ah bah, j'allais dire Newman, mais non, 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 un nouveau perso. J'ai pas vu de quoi l'éliminer. Et là. Il est attaché, donc je redoute, je redoute, je redoute, je redoute, je redoute, je redoute. Voilà. Je redoutais. En fait, je vais devoir prendre le truc pour l'éliminer. Mais il est juste à côté de lui. C'est quoi ça? Ah, des bottes. Je n'avais pas fait trop attention. Ah, ok. Avec la lampe, j'ai cru qu'ils avaient fait là, comme ça, juste comme ça. En haut, on a l'impression qu'il y a, il y a le dessin de l'œil en version un peu miniature. Mais non, c'est juste la lampe. En fait, je vais avoir besoin de ça pour pouvoir casser le bois et me défendre. Bon. Il va falloir d'abord le distraire. Ok. D'abord le distraire. Ah, j'avais vu la fourchette tantôt. Est-ce que je peux prendre la fourchette? Je ne peux pas prendre la fourchette, ok. Quand en général, depuis le début, quand je vois un petit truc, je me dis « Ah !» C'est intéressant ça. Bah ça me sert quelque part. Bah, pas cette fois-ci. Ok. On va se servir du fait qu'ils peuvent pas. Voilà, comme ça. Oula. J'ai été trop loin en fait. Ok, j'ai été un poil trop loin. On recommence. Commence à voir le truc. On le fait en sorte qu'il... Voilà. Alors, là, c'est là aussi je vais être trop loin. Ouais. Ouais, on va essayer de mettre vraiment là. Voilà. Ah, shit. Gobelin! Sérieux? Non, là, je vais pas y arriver non plus. Mais putain, tape! Tape! Ou alors il veut pas taper, c'est possible aussi. Au pire, je vais essayer de le traîner. On va voir ce que ça donne. En gros, ce que je peux vérifier, c'est comment retaper. Je pensais que c'était un certain bouton, c'est peut-être pas ça en fait. Merci. Non, en effet, c'est pas ce bouton là. Ok. Bon, c'est quel bouton alors qui me permettait de taper? J'ai l'impression que c'était celui-là, moi. En fait, j'ai pas simplement le paramètre commande, ce sera plus simple. Appeler, troche. Ah, c'est ce bouton là, ok. Si en effet j'utilise le bouton X, ça va pas le faire. Eh, hey, mon grand! Merci.
J'ai trop tôt. Ah, oh, qui m'ennuie. Ça c'était trop tôt cette fois-ci. Oh. Passage, ok, parfait. Non! C'est elle aussi? Ça veut me dire qu'on est. J'allais dire on est retourné dans la classe? Non. Mais, Toad, merci. Ah, à tout leur bord plutôt. Ah, obligé. Tu fais exprès là, oh grand! Ah attends. On va surtout faire ça en fait. L'ombre est tellement bien foutue, sérieux. J'ai quand même avoir besoin qu'elle soit tranquille. C'est marrant ça. Je l'ai lancé pile poil de l'autre côté, elle revient quand même par ici. Cendrier, ok. Ouais. La terre, ça va faire tellement de bruit. Voilà. That's ok. I see. Ok, bibliothèque. Évidemment, sinon ça serait pas marrant. Ah, je peux pas grimper. Je peux descendre. Et me faire attraper. Ok, ça va. Thank you.
Là, bêtement, c'est pour traverser en fait. Bêtement. Non, ok, pas traverser. Simple, simple. Poyo, réfléchis. Ce serait bien, merci. Bonjour toi. Ça m'a surpris, je dois bien avouer. Je vois ta tête, hein, mais... Comment dire que... Allez. Sérieuse? J'ai accéléré tout. Est-ce qu'il y a moyen de descendre en étant doux? Non. Voilà. Maintenant ta gueule. Enfoiré. Tu m'attends, hein? Tu m'attends. Cherche, hein, elle cherche. Non, à la fin, à la gros. Ok, donc pas, pas monter. Putain, je peux pas descendre plutôt. Ok, y'a rien. Je peux pas ouvrir la porte. Là, y'a l'air d'avoir rien du tout. Là non plus. Alors c'est moi qui est comme un con, y avait un truc mais j'ai pas fait attention. Non, vraiment, j'arrive pas à avancer. Ok. Ça doit pas être par là. Ah, ça c'est une échelle qui est renversée, ok. C'est pour retourner, je suppose. Aïe. Oh.
d'y aller, quoi. Alors là, j'avoue, je vois pas par où je dois aller. Ah, ok, ok, ok. Il n'y a pas une planche. Peut-être que si. Si je m'y prends mieux, ce serait mieux. La façon de voir une planche sur le côté, là. Ça veut peut-être rien dire. Je vais le vérifier hors vidéo et on se retrouve dans quelques instants. Au final, c'est juste qu'un livre, donc pas besoin. Par contre, j'ai vu que cette petite caisse là, elle pouvait pousser. Potentiellement, on peut sauter pour appuyer sur la cloche. Sera fermé. Là, on a une clé. On est toujours dans l'école. Ok. Pas doué au jeu de à ce jeu là moi. Ah, il faut que je choisisse sur lequel je le place. J'irai bien celui de droite. À ce moment là il est censé pouvoir prendre le roi. Ah, il faut que je place mon roi aussi. Mon roi ou c'est la reine? Un œil, ouais. Noumen ou un mec avec une, un chapeau qui ressemble un peu au Noumen. Ça c'est une tour. Pas une tour, moi. Un fou, j'y arrivais. On va le placer ici. Et lui il est trop haut pour que je puisse l'atteindre. Faut que je grimpe par là. Il veut pas. Il ne veut pas. Ça nous ennuie. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Trop. Que je trouve d'autres pièces. Ok.
spécial. Je ne peux pas aller là. Ça nous arrange pas. Vu qu'il y a derrière l'autre port là, je peux courir ici. Je peux rien faire avec le pion, ok. Il m'en manque deux. J'en vois une. J'arrive pas à table pour l'instant. Mais l'autre, elle est où? Là, il y a un cheval, cavalier. Il va prendre nécessairement cette pièce-ci. En tant que roi, il peut avancer que d'une seule case. Limite, la tour, je la mettrais bien là. Là, le fou, échec et mat. Non, échec tout court. Lui, il peut potentiellement encore avancer. Je sais pas à qui c'est le tour, potentiellement à nous, hein, donc voilà, mais potentiellement à lui. Donc s'il bouge, il peut très bien avancer. Ici, donc, pour ça il faudrait un cavalier. Il pourrait avancer. Ah non, c'est où? Ici, il se fait toujours. Sur toute cette ligne-là, il se fait avoir par le fou. Sur toute la ligne en face. Il se fait avoir par la tour. Donc il reste ici, ici et ici de possible pour lui. Ouais. On met la reine là. Qu'est-ce qui se passe? On élimine ici et c'est tout en fait. Alors que si on met la reine là, on élimine là, 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 ici et là. Plus ici derrière. Il reste donc que les deux noirs, mais là ce serait couvert par un cavalier. Il resterait donc que ce noir-ci. Qui est couvert par le fou. Donc c'est bien la reine là. Il me faut un cavalier et la reine. La reine est là, je la vois, mais je sais pas comment l'atteindre. Ah, si. Bêtement. Il manque donc le cavalier. Mais je ne l'ai pas encore vu une seule fois le cavalier par contre. Ah, parce qu'il n'y en a pas. Si on met la reine ici, ça court 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici derrière. Lui, au pire, il fait 1, 2, enfin, il fait I. Et s'il en fait là, ça fait que ça. Bon, on va le prendre, pas grave. Vous pouvez chercher le cavalier autant que je voulais. Hein. Mais il me manque un truc. Là c'est pour la reconstitution, ok, mais pour moi il est pas en échec et mat. Hein. Il peut toujours reculer ici.
Oui, si. Mais bon, ok, ça va. Donc des lampes se sont allumées. Parce que vu qu'il y a la lampe qui s'allume ici, on a débloqué quelque chose. L'autre pièce, maybe? Quand même m'approcher de ça. Voilà. Même en mettant approché, voilà. Je vais éternuer, je pense normalement m'être muté, désolé si c'est pas le cas. Ce sera un peu embêtant, faut bien avouer. Est-ce que je vois une clé par hasard? Une épée en bois, je vois une couronne en papier. Bouteille. Donc c'est bien, la lampe s'est allumée. Mais ça règle pas notre situation initiale. Il nous faut une clé! Bon, je peux pas ici, je peux pas en bas, je peux pas ici en du côté droit, je peux pas aller du côté gauche. On redescend. Je vois rien de spécial. Hein. Bah là, ça fermait, c'est logique. Et maintenant qu'on a absorbé la vision. Réaction, ok, d'accord. Ça m'ennuie. L'énigme a été résolue. Puis on peut grimper, mais je vois pas pourquoi. Je me hais. J'ai dû aller voir sur internet, je trouverai vraiment pas alors que c'est débile, putain. C'est débile! Voilà pourquoi je voyais pas la clé. Logique! Sur internet pour une île de si pareil. Allez. En tout cas, on va débloquer la porte et on va se laisser vu le timing de la vidéo déjà. Voilà. Oh! Ça m'a l'air d'être des cuisines ça.
J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et bien entendu, prenez soin de vous. Bye.